coupe avec un disque. Ah ouais? Je le coupe avec un disque? Tout dépend de la dureté du rail. Là, je sais même pas s'il va pouvoir terminer sa coupe avec. En fait, là, on les coupe en 6 mètres pour pouvoir les partir. 300 kg par rail. Donc 600 kg, on va dire une tonne. Normalement, on enlève des panneaux de 18 mètres. C'est-à-dire avec deux pelles, un de chaque bout. Ouais. Et on les achemine comme ça. Là, ils ont décidé de faire des panneaux de 6 mètres approximativement, sûrement à cause du stockage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place et donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire des 6 mètres. On va faire un peu de poussière. Hein. Un peu les trous, ça me gagne du temps pour la fin. Terrasser un peu. Ouais. C'est pour niveler là. Voilà. Donc là, je vais sortir en marche arrière. Je n'ai pas la place de me tourner dans le tunnel avec. Donc, je klaxonne parce qu'il y a toujours une personne à proximité. Et ça, c'est le plus dangereux, c'est la position des personnes au sol. C'est là où il y a le plus de risque pour l'accident. Je vais le poser sur la voie d'à côté. Là, l'autre pelle venait là, moi je prenais ce bout là, lui prenait l'autre bout et on l'emmenait à deux comme ça. Mais ça a été décidé comme ça. Moi ça me pose aucun problème. Donc je ne fais pas plus pour les défauts de bois. Et là on est parti. Alors au début c'est impressionnant parce que ça balance, mais en fait on a l'habitude, il n'y a pas de problème. Là où c'est le plus délicat, c'est dans l'entrée du tunnel et à la sortie du tunnel parce que les portes sont pas très larges, donc il faut pas se tromper. Et surtout, il faut klaxonner parce que s'il y a une personne juste derrière et qui m'entend pas, il risque de sortir au moment où je rentre. Là, faut viser juste. Et ça. Ouais, c'est juste. Hein. Ah, c'est. Il y a 50 cm, même pas. Hein. Plus loin, c'est encore pire. À la sortie, c'est encore pire. Je me repère par rapport à la voie existante. Là. Oui. Donc, lorsque je suis dans l'alignement de la voie, normalement, je passe tranquille, sans problème. Alors, à cette sortie-là, vous allez voir, du côté droit, c'est encore beaucoup plus délicat. Parce qu'on a une barrière. Donc j'ai toujours un phare qui éclaire en l'air. Parce que là, il n'y a pas de caténaire, mais lorsqu'il y a des caténaires, je dois toujours les voir. Vous voyez, là, il y a une barrière, il y a un poteau qui rétrécit la sortie. Et là, c'est juste. Là, on tire un peu. Et là, vous voyez, il y a 20 cm à peine pour passer de chaque côté. Et on est sorti.
Alors il faut savoir qu'il faut toujours anticiper. Par exemple, là, il y a quelque chose, il y a un obstacle. Regardez le temps que je vais mettre pour arrêter. Vous voyez, là les routes sont bloquées. Ah ouais, il y a une inertie de combien? Vous voyez, là, il faut compter 30 à 40 mètres pour s'arrêter. Ah ouais, faut... Donc, il faut voir loin pour prévoir toujours l'imprévu. C'est ce qui est le plus difficile à acquérir dans l'expérience. Anticiper toujours. Surtout sur des vieilles voies comme ça, parce qu'il y a une micro-mousse qui se forme sur le dessus du rail. Et quand c'est humide, comme le matin avec la rosée, bah c'est très glissant. Et là, par exemple, si j'arrivais à fond et puis que je me réveille, je le vois, là, je peux piler, je lui rentre dedans, ça, sans problème. Donc, il faut arriver gentiment et commencer à poser la charge. Voilà, on est arrivé à bon port. Là, c'est lui qui s'en occupe. Là, il va aller le mettre en tas tout seul. Alors, il va le traîner. Pour lui, ça a l'air d'être plus simple de le traîner. Maintenant, chacun a ses façons de travailler. Vous voyez, là on sent que ça patine. Ça ne veut pas avancer parce que c'est la mousse qui... On le voit à cause de la mousse. Ouais. Vous voyez, là, sur le rail, on voit en fait, il est humide. Et en plus, là, ça monte un petit peu. Là. Donc là, je vais prendre de la vitesse et après, ça va. Quelle vitesse vous allez en moyenne? 25 km/h à peu près. Pour aménager une plateforme pour la future ligne 14. Donc ils vont placer des bases-vie et certainement acheminer tout ce qui est matériaux, rails, béton, tout ça, donc ça va passer par ici. Alors nous on fait la dépose de voies, de ces deux voies qui sont à l'intérieur, ce qu'on appelle la petite ceinture, et on a une autre voie aussi à déposer de l'autre côté. Au total on va déposer 450 mètres de voies. Là il y a 2 fois 70 mètres, ouais. Et il y a 310 mètres à l'extérieur là-bas. On travaille donc avec des tronçonneuses à rails pour avoir des coupes propres, que ça soit plus propre qu'au chalumeau, parce qu'on peut faire des découpes au chalumeau. Le chalumeau, ça génère des gaz, il y a quand même du gaz qui sort, donc c'est pas très propre pour la nature quand même. C'est du gaz, c'est de l'oxygène, donc CO2. Donc avec des tronçonneuses, on reste quand même relativement plus propre. Changement de disque obligatoire. Un disque, ça fait quoi? Ça fait deux rails? Pas deux rails, ça fait... Trois coupes. Avant, après.
Là, elle découpe les écrous d'éclisse, parce qu'elles sont tellement oxydées et puis tellement bouffées justement par la rouille, que on peut même plus les déboulonner. Ils sont tellement tout petits par rapport à des boulons classiques. C'est tellement oxydé. On attend l'appel, qu'elle va nous lever le panneau et elle va bouger tout ça. Voilà le boulon d'éclisse qui est relativement neuf par rapport à un boulon d'éclisse qui a au moins une quarantaine d'années. Il n'y a vraiment plus rien et c'était ancré dans le rail. Complètement soudé avec le rail, donc ce qui empêchait d'enlever l'éclisse. Là, ils sont vieux les rails. Donc. Là ils sont très vieux, là. Je ne connais pas la date de cet embranchement là, mais donc vous avez des clous qui ont été placés sur les traverses. C'est les dates de fabrication de traverses, donc celle-ci elle est de 1962. Donc ça, on peut supposer que les rails ils sont de la même époque. Ah, ils sont de la même époque, oui. Oui, ils sont de la même époque.